number of flights. Très tôt dans l'histoire de l'humanité est apparue la conviction que l'homme est constitué de trois instances, le corps, l'esprit et l'âme. Normalement, ces trois instances sont indissociables, elles forment un tout, elles nous rendent uniques. Mais il semble que l'esprit humain puisse être influencé par des êtres surnaturels. Ceux-ci pourraient prendre le contrôle de notre corps. C'est cette emprise, exercée par une entité spirituelle, que l'on désigne sous le terme de possession. Cette notion existe dans de nombreuses cultures disséminées sur toute la planète. En Inde du Sud, par exemple, la possession démoniaque est un phénomène qui touche toute la population. Chacun a une femme, une sœur, une fille ou un parent éloigné qui a un jour été possédé. Le phénomène est tellement universel qu'il fait l'objet de recherches anthropologiques depuis de nombreuses années, au même titre que la magie, la trance chamanique ou la mythologie. Ce qui ressort de ces études, c'est que les possessions surviennent la plupart du temps dans le cadre de rites ou de cérémonies religieuses dont le but est d'invoquer une entité spirituelle. La musique, le rythme des tambours, les chants traditionnels, les incantations, l'encens et les danses font entrer le médium dans un état de transe. Une fois dans cet état, sa conscience est altérée comme mise en sommeil. Sa personnalité s'efface, elle se dissout et laisse sa place à quelque chose d'autre. Cela peut être un ancien, une divinité, l'esprit d'un défunt ou d'un génie. Ces transes de possession ne sont pas vécues négativement par le possédé. Il prête en quelque sorte son corps et sa voix aux puissances invisibles. Pour notre part, nous préférons appeler ce type de possession des invocations. Le médium invite volontairement les êtres spirituels à prendre possession de son corps. Il les appelle, il les invoque. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous intéresser à des victimes non consentantes, des affaires de possession indésirables. Nous allons évoquer des agressions violentes par des esprits mauvais, des possédés dont les traits du visage et la voix sont défigurés et méconnaissables, des hommes et des femmes en souffrance qui cherchent par tous les moyens un peu de répit. Plongeons ensemble à la lumière de leurs témoignages effrayants aux limites entre le rationnel et la folie. Aujourd'hui, nous allons traiter des possessions démoniaques. Bienvenue dans Altération. On ne pouvait pas commencer notre immersion dans les zones les plus profondes de la spiritualité humaine sans y faire référence. Ce film incroyable, sorti en 1973, a traumatisé plusieurs générations. Aujourd'hui encore, même si ses effets spéciaux sont un peu datés, il reste une légende au panthéon des films d'horreur. Je suis sûr que vous l'aurez tous reconnu, L'Exorciste de William Friedkin. Ce que peu de personnes savent, c'est que le film s'inspire de faits réels. L'Exorciste pose sa base narrative sur une histoire qui s'est réellement déroulée vers 1948 dans le Maryland. On retrouve les premières mentions de cette affaire dans quelques articles qui racontent l'histoire d'un garçon de 14 ans possédé par le diable. Sans plus de précision, ils informent que trois prêtres jésuites ont pratiqué sur lui un exorcisme durant plusieurs mois. Pendant de nombreuses années, toute cette histoire est restée enterrée. Les personnes impliquées ont gardé le silence. Mais des enquêteurs sont parvenus à mettre la main sur les notes de Raymond J. Bishop, un des prêtres exorcistes qui consignait chaque jour le déroulement des séances. Des passionnés sont même parvenus à remonter le fil des événements et découvrir la véritable identité du garçon, Ronald Edwin Unkeller. Tout débute avec la mort de Mathilda Hendricks, la tante préférée de Ronald. Dans la maison familiale, des bruits de grattements et des coups sourds contre les murs se font entendre. La grand-mère pense immédiatement qu'il s'agit du fantôme de Mathilda. Les manifestations ressemblent effectivement à celles d'un poltergeist. En plus des bruits inquiétants,
les meubles commencent à se déplacer et certains objets sont projetés par une force invisible. Une séance de spiritisme est organisée et confirme la hantise. Mais bien vite, la situation est hors contrôle. Les grincements, les coups et les bruits de pas deviennent plus forts et se localisent autour de Ronald. Il est au centre des phénomènes. Une force invisible semble l'attaquer. Lorsqu'il se couche, son matelas tremble et tout le lit est pris de secousses violentes. De nombreux autres phénomènes suivront. Ils ont tous été consignés dans un carnet par le père Raymond Bishop. Le plus interpellant, c'est que le comportement de Ronald change radicalement une fois que débutent les prières d'exorcisme. Il devient violent, se met à cracher et à insulter les prêtres. Il tient des propos obscènes sur la masturbation, les contraceptifs, les relations sexuelles entre prêtres et moniales. Durant les séances d'exorcisme, sa voix change et prend un timbre guttural, comme si quelqu'un d'autre parlait à sa place. Et il hurle, crie, grogne comme un animal et ne peut s'empêcher d'uriner dans son lit. Mais le phénomène qui a marqué tous les esprits, ce sont les griffures et les scarifications qui apparaissent mystérieusement sur la peau de Ronald. Ces éraflures rouges formaient parfois des mots en grandes lettres imprimées. Une autre fois, c'est le dessin d'un diable qui s'est formé. Selon le journal du père Raymond, Ronald a été définitivement délivré de son emprise le lundi de Pâques, jour qui célèbre la résurrection de Jésus. Son exorcisme aura duré pas moins de 35 jours. Ça peut paraître étonnant pour certains d'entre nous, mais les demandes pour se faire exorciser se multiplient depuis une trentaine d'années. Pourtant, jusqu'en 1980, l'Église catholique effectuait peu d'exorcismes. La demande était anecdotique, voire inexistante. C'est en 2000 qu'elle a explosé. Selon Robert Münchenblatt, le nombre d'exorcistes est passé de 15 à 120 en France. Nul doute que des films tels que L'Exorciste, The Omen, Suspiria, Amityville, Poltergeist et The Entity ont contribué à ce regain d'intérêt. Pour certains, cette hausse des cas de possession s'explique par un abandon massif du sacrement du baptême. Ce rite chrétien contient effectivement plusieurs exorcismes solennels pour contrarier l'emprise de Satan. Ainsi, cette augmentation inquiétante serait un signal qui annonce la fin des temps et la venue de l'Antéchrist, la bataille d'Armageddon. Dans leur croyance, le bien et le mal se livrent une lutte invisible depuis des millénaires. L'objet de cette guerre est une domination sans partage sur l'humanité. Alors que le bien désire un homme libre, le mal les attache à ses envies et ses regrets. La possession, ce serait Satan s'emparant d'un être humain, de ses forces physiques, de son imagination, et se servant de cet être humain pour accomplir des actes et surtout pour parler. Dans cette guerre silencieuse, tout le monde n'est pas égal. Satan, le prince du mensonge, s'infiltre plus rapidement dans les esprits faibles, dans nos failles inavouables et nos perversions les plus secrètes. Chacune de nos fragilités peut servir de point d'accroche. Tout de suite, on essaie de comprendre d'où ça vient, par où ça passe. Ce qu'on appelle les portes ouvertes. Je ne crois pas qu'il y ait de possession subite, sans cause, sans raison, sans occasion. L'alcoolisme, la dépendance au sexe, la consommation de drogue, les blessures d'enfance, les ruptures sentimentales, les conflits relationnels. Ces zones de turbulence émotionnelle montrent de moins de résistance aux tentations. Vous parlez de sévices moraux et corporels subis par vous-même de la part de votre nourrice. Oui, j'ai été maltraitée psychologiquement. Ensuite, vous avez été victime, dites-vous, d'agressions par des pédophiles, d'abus. De nombreux prêtres exorcistes mettent également en garde contre les pratiques occultes, la divination, le spiritisme, l'ésotérisme, la magie, le satanisme, la sorcellerie, le maraboutage. Les obsessions viennent souvent du fait qu'on a ouvert la porte à ces mauvais esprits. On croyait aller voir une voyante et avoir une séance gentillette. On croyait s'amuser en faisant tourner les tables. On croyait que c'était innocent d'aller consulter un magnétiseur ou un radiesthésiste.
Et puis voilà qu'on a en fait ouvert la porte à un mauvais esprit qui vient vous troubler. Les premiers signes qui annoncent une possession sont ordinaires et très répandus. La personne se plaint de fatigue, de douleurs chroniques, parfois de paralysie. Ce mal-être physique s'accompagne d'une impression d'échec et d'impuissance. Toutes sortes de malheurs arrivent les uns après les autres. Les accidents s'enchaînent, les maladies arrivent sans raison et les finances battent de l'aile. Je souffre de maux de tête. De maux de tête et de crises d'étouffement. J'ai échec et échec sur échec dans ma vie, au point de vue sentimental, à tout point de vue. À ce stade, la victime présente les mêmes symptômes qu'une dépression. Troubles du sommeil, anxiété, difficulté à se concentrer, à focaliser son esprit sur l'instant présent ou sur les événements positifs. Mais quand on accorde trop d'importance aux pensées négatives et qu'on les rumine sans cesse, elles contaminent tout, comme une infection qui se multiplie, se propage et détruit tout sur son passage. Un esprit qui cède à ses idées mauvaises n'est plus lui-même. Il est dirigé, manipulé et corrompu par des pensées qui ne lui ressemblent pas. Ces pensées parasites, extrêmement négatives, finissent par avoir un impact sur son comportement. La victime entre dans des fureurs incontrôlables, hurle des insanités, agresse et se dispute violemment avec ses proches. Elle perd pied et commence à ressentir d'étranges sensations. L'explication de ces cas d'envoûtement, c'est souvent l'autosuggestion. C'est la personne qui était frappée par un certain nombre de déboires, d'insuccès, de souffrances. Et alors, elle, peu à peu, elle se persuade qu'il y a une force mauvaise qui travaille contre elle. La grande majorité des possédés a l'impression qu'une présence les surveille. Ils voient des ombres traverser la pièce, se sentent constamment épiés et entendent une voix inconnue dans leur tête. Quelqu'un d'autre semble penser à leur place. Il me disait ce qu'il fallait. Enfin, j'avais des pensées subitement à la tête qui me venaient. Et moi, enfin, moi alors, je luttais contre ces pensées qui, alors, c'était tout le contraire. Ce que lui, il voulait pas et moi, je voulais. La plupart du temps, la voix énonce des réflexions morbides et dépréciatives. « Tu es un incapable, c'est ta faute, ta vie n'a pas de sens, tu mérites tout ce qui t'arrive, t'as moins que rien, une sombre merde incapable !» Ils me disent et me montrent des choses horribles. Ils me donnent des pulsions sanguinaires et violentes, meurtrières, suicidaires, et de me faire des scarifications. Ce qu'ils me disent, cela m'excite, et après je me mets à pleurer car je ne veux pas le faire. Mais elle peut aussi se montrer complaisante et réconfortante. Elle promet un trésor enfoui, des pouvoirs surnaturels, la réussite financière. Tu vas devenir puissant, les autres ne te comprennent pas. Tu es spécial, tu as été choisi. On les écrasera tous et ils reviendront en te suppliant. Dans l'Église catholique, les prêtres exorcistes doivent s'assurer de la présence diabolique et recevoir la permission de l'évêque pour pouvoir pratiquer ce qu'on appelle le rituel de grand exorcisme. Autrefois, ils se basaient sur différents signes pour conclure à une possession. Le fait de parler dans une langue inconnue, souvent le latin ou le grec, de dévoiler des faits cachés, de faire preuve d'une force ou d'une agilité qui dépasse les capacités physiques ordinaires, d'avoir une aversion virulente envers Dieu, Jésus, la Vierge Marie, les sacrements, ou de manifester un égoïsme froid et cruel. Mais aujourd'hui, avec les découvertes réalisées par les sciences humaines et la classification systématique des maladies mentales, ces signes censés manifester un état de possession sont insuffisants. Certains prêtres, comme le père Gabriel Amor, plaide pour l'utilisation du grand exorcisme comme un outil diagnostique. En toute logique, lorsqu'une personne est vraiment possédée, elle devrait réagir vigoureusement aux prières et aux ordres présents dans le rituel. Lorsqu'on regarde certaines séances d'exorcisme capturées en vidéo, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre longtemps pour qu'apparaissent des réactions très violentes de la part du possédé. Assis dans un fauteuil ou étendu sur un lit, il commence à se comporter différemment. La respiration s'accélère, les mains tremblent. La tête fait des mouvements saccadés et répétitifs. Les yeux sont fermés ou révulsés. Tout le corps se contracte. Les imprécations qui forcent le démon à se manifester semblent d'une grande efficacité.
Le sujet entre dans un état second. Il s'irrite, hurle, tente de s'enfuir, essaye d'agresser l'exorciste. Tout semble manifester la présence d'une entité maléfique qui a pris possession de son corps. C'est ce qu'on appelle une crise de possession. Elles peuvent avoir des durées variables d'une à plusieurs heures. Quand le calme revient, la personne ne se souvient de rien et ne peut pas expliquer ce qui lui est arrivé. Elle retrouve son caractère habituel et peut reprendre sa vie quotidienne comme si de rien n'était. Les crises de possession constituent la partie la plus impressionnante du phénomène. La plupart du temps, elles sont uniquement provoquées par le rituel d'exorcisme. C'est durant ces crises que sont ordinairement observés des phénomènes surnaturels, impossibles et inexplicables. Des événements extraordinaires qui semblent prouver que des forces démoniaques sont à l'œuvre. Il y a les marques et écritures qui apparaissent sur le corps, les lévitations au-dessus du lit, la connaissance de faits intimes et secrets, les voix qui changent, les substances noires et immondes que les possédés vomissent, les discours en langue inconnue, oubliée, tant de phénomènes que l'on retrouve dans les fictions et les films du genre. Mais se retrouve-t-il également dans les cas avérés de possession démoniaque ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir en comparant différentes affaires. Malheureusement, les cas documentés sont extrêmement rares. La plupart du temps, on ne connaît ni l'identité réelle de la victime, ni la date, ni la localisation précise des événements. L'Église catholique est extrêmement prudente à ce sujet et rend chaque témoignage anonyme. Dans ces circonstances, il est impossible de certifier que les faits sont authentiques. Nous avons quand même essayé d'éviter les histoires suspectes, les témoignages largement exagérés par des prêtres ou des missionnaires qui voulaient à tout prix démontrer la puissance de leur religion face aux croyances païennes. Exit donc la fameuse histoire Clara Germana Zelle que l'on ne traitera pas. On s'est retrouvé avec une liste de 4 cas extrêmes. Les 3 premiers sont fréquemment présentés comme de véritables possessions démoniaques. Et le 4e, c'est l'affaire médiatique la plus contemporaine. On ne sait rien des facteurs qui ont déclenché la possession d'Emma Schmidt. La seule chose que l'on sache, c'est qu'elle a sa première crise à l'âge de 14 ans. Alors qu'elle participe à une messe, Emma repousse subitement la Sainte Communion. Elle ressent l'envie d'étrangler le prêtre et de renverser tous les objets sacrés. Depuis, elle ne parvient plus ni à prier, ni à se rendre dans une église. Emma a été suivie de nombreuses années par des médecins et des spécialistes qui n'ont jamais trouvé la cause de son trouble. En ce qui concerne Ronald Unkeler, nous l'avons déjà dit, c'est la mort de sa tante préférée qui a déclenché les phénomènes. On sait que la famille a réalisé plusieurs séances de spiritisme pour communiquer avec la défunte. Il est question d'un trésor caché que seul l'esprit de Mathilda pouvait aider à déterrer. La nuit, des coups sont frappés au niveau du plancher de la maison. Rapidement, les activités paranormales semblent se focaliser autour de Ronald, qui est pris de convulsions. Il est alors âgé de 14 ans. Annelise Michel a 16 ans quand elle est frappée de graves crises de convulsions. Son corps se contracte violemment sous l'effet d'une force incontrôlable. Alors qu'elle ressent une souffrance extrême, elle ne peut plus bouger ni même appeler à l'aide. Malgré 4 ans de suivi médicalisé, la situation ne s'améliore pas. Les crises s'aggravent et s'accompagnent d'hallucinations. Elle entend des voix et des visages démoniaques apparaissent quand elle essaye de prier. C'est suite à son divorce et à une impasse affective que Michel Chiron décide de communiquer avec l'au-delà de manière assidue. Il utilise une pendule pour obtenir des réponses à ses questions. Je cherchais l'amour finalement et je ne le trouvais pas. Hein. Et donc j'ai fait appel à des esprits sans le savoir. Enfin, j'ai essayé le pendule à nouveau parce que je me rappelle. Et je me dis peut-être que là j'aurais des réponses, j'aurais une aide. Les lettres, ça défilait, ça me donnait des mots, ça me faisait des phrases, voilà, que j'écrivais, et ça m'a accroché, quoi. Les explications qu'il obtient sont partielles et incohérentes. Il voudrait plus. Après 8 jours de séances intensives, les esprits commencent à parler directement dans sa tête. Ils lui promettent des capacités extraordinaires et un rôle de grande importance pour le futur de l'humanité. Et ils m'ont expliqué que, voilà, j'étais choisi par leur roi. Et tu vas voir le bonheur. Tu vas pas mourir, tu vas rajeunir, et puis tu vas servir le roi pour que tous les hommes soient
dans la bonne lignée. Séduit par leurs propositions, Michel écoute les voix, suit leurs directives et s'isole de plus en plus. Curieusement, on voit apparaître deux profils types très marqués par le genre. L'un plutôt associé à des jeunes filles très croyantes qui refoulent leurs émotions et leurs désirs. L'autre à des garçons insouciants qui font tourner les tables et invoquent les esprits. Dans les deux cas, il y a la constante des voix intérieures et des pensées parasites. Pour les filles, ce sont des pensées impures et à connotation sexuelle. Pour les garçons, ce sont les paroles obtenues lors des séances de spiritisme. Et ça fait combien de temps que vous recevez cet esprit-là dans votre corps? De 7 à 8 ans maintenant. Où est l'esprit de Serge Grandbois pendant que vous l'habitez? Pour le moment, elle est à l'arrière-plan. Elle s'occupe de ses petites besognes pendant que nous discutons avec vous. On retrouve ces deux mêmes profils sur l'ensemble des cas de possession. Mais la filiation de genre n'est pas une constante. Il arrive que des femmes possédées pratiquent le Reiki, le tirage des cartes, la méditation transcendantale, la Wicca. Bref, elles peuvent également être attirées par les pratiques occultes. Comment ça se passe, ces contacts avec vos anges? Ils viennent me parler. Cette nuit, ça a été très fort. Les anges se sont nommés. On remarque également que les crises de possession ne touchent que des personnes qui appartiennent à un même groupe socioculturel. Ils sont tous issus d'un milieu modeste, relativement peu instruit et ont tous des racines chrétiennes. Il convient de noter que les quatre se trouvent dans une situation émotionnelle dégradée et manifestent les caractéristiques d'une dépression profonde. Après la mort de sa mère, Emma est élevée par un père colérique et absent. Ronald, lui, semble avoir été maltraité par sa grand-mère autoritaire. Le père d'Annelise est extrêmement exigeant. Il impose à sa fille une discipline de fer, digne de certains couvents. Et en ce qui concerne Michel, il ne parvient pas à supporter la solitude et son surpoids l'empêche de trouver une échappatoire. Tous, donc, sont accablés au moment des premiers signes de possession, dans un état de délabrement mental et psychique qui conduira chacun à développer ses pensées irrationnelles. Des idées autodépréciatives et suicidaires. Sans surprise, c'est également le terreau privilégié de nombreuses maladies mentales. J'avais une corde de la salle à manger quand j'étais à Asri. C'était la première hospitalisation. Puis il y avait une voix qui disait « il faut te pondre ». Puis ouais, j'étais bien consciente qu'il n'y avait que moi qui la voyais. Puis c'était « qu'est-ce que ferait une corde dans une salle à manger ?» J'avais aussi des voix qui me disaient de faire du mal aux gens, de me suicider aussi. Et quand j'allais à la gare, ils me disaient de sauter sous le train, quoi. Il est temps maintenant d'aborder l'aspect le plus impressionnant des affaires, c'est-à-dire les crises de possession et leurs phénomènes paranormaux. Tout d'abord, nous avons constaté que des éléments reviennent constamment dans chaque crise de possession. Il y a l'agressivité vis-à-vis des prêtres exorcistes, qui se traduit par les insultes, moqueries, crachats et blasphèmes. Une violente aversion pour les objets religieux, comme l'eau bénite, la croix et les médailles. Quand Père Élie me faisait la croix avec sur le front, même son Christ devant moi, je ne pouvais pas le voir. Il y a une souffrance physique extrême qui se marque sur tout le corps. Les possédés évacuent des matières nauséabondes. Par exemple, Emma vomit des seaux entiers, Ronald urine dans son lit et Annelise dégage des odeurs puantes. Ils dénoncent aussi des secrets et des péchés commis par les personnes présentes durant l'exorcisme. Enfin, tous crient, hurlent et pleurent pendant des heures. Santa Perpetua y Felicidad, Santa Inés.
Santa Maria Goretti, todos los santos mártires, Cristo